sommeil spirituel, tu n'es plus en alerte, mais tu es quelqu'un dont le diable peut faire ce qu'il veut. Alors vous allez peut-être me dire ce matin, oui frère Armando, c'est bien gentil, mais nous en Afrique on travaille beaucoup et on est fatigué, donc on a le droit de dormir. Amen. Je suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit de dormir. Regardez avec moi ce que nous dit la Bible dans le Cantique des Cantiques au chapitre 5. Le Cantique des Cantiques au chapitre 5, il nous est dit comment dormir. Vous savez que le Cantique des Cantiques, c'est une image, donc, dans le Cantique des Cantiques, il nous est parlé de la Sulamite. Et la Sulamite est une image de l'Église, c'est-à-dire la Sulamite est une image, cette femme, de l'Église qui attend le retour de Jésus. Et regardez ce qu'il est dit au chapitre 5 des Cantiques des Cantiques et le verset 2. Il est dit ceci. C'est ce que dit la Sulamite. Elle dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est pas que tu peux pas dormir. Tu peux être en train de dormir, mais ton cœur doit être en éveil comme elle, parce qu'elle attendait l'époux. Et regardez ce que dit la suite. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Elle attend le Seigneur. Et quand elle entend que c'est son sauveur qui arrive, c'est celui qu'elle attend depuis longtemps, il est dit, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Et d'un seul coup, le Seigneur lui dit, ouvre-moi ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? Au moment où Jésus revient, cette Sulamite, on n'a pas besoin de lui dire que c'est Jésus qui frappe. Elle dormait, mais son cœur était en éveil. Et mes amis, la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sentiers de la vie. Pourquoi garde ton cœur? Parce que c'est avec le cœur qu'on peut dire à quelqu'un, je t'aime. Comme c'est avec le cœur qu'on peut dire à quelqu'un, je te hais. Et quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on peut être en train de dormir, mais notre cœur est en éveil. Une maman, quand elle sait que son bébé est dans l'autre chambre, elle peut être en train de dormir, mais elle a une autre oreille qui écoute la voix de l'enfant. Les mamans qui sont inconscientes peuvent mettre un bébé de l'autre côté, et si elles s'endorment tellement, elles peuvent voir l'enfant mort, parce qu'elles ne l'ont pas entendu pleurer. Mais non, une femme, un homme responsable, vit dans l'attente de son Seigneur. Tu peux dormir, mais tu dois entendre tout en reposant la voix de mon bien-aimé. Et la voix du Seigneur va bientôt retentir pour venir chercher son peuple, comme on va le voir avec ses vierges sages et ses vierges folles. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Mais qu'est-ce qu'elle a fait cette femme pendant toutes ces années où elle a attendu le Seigneur, qui est une image de l'Église? La Bible nous dit qu'elle s'est fait belle. Elle s'est parfumée. Elle a mis une robe. Et au moment où Jésus arrive et qu'elle le fait rentrer, elle a dit, j'ai ôté ma tunique, comment la remettre? Elle a une relation d'amour avec son sauveur. C'est une image. Mais elle s'est préparée, elle s'est fait belle, elle s'est parfumée pendant des années. Et vous savez, quand on aime, on ne trompe pas son mari. Quand on aime, on ne trompe pas sa femme. Il y a des hommes et des femmes, et surtout des femmes qui ont attendu leur mari pendant des années, parce qu'il a fait l'armée, parce qu'il est parti dans un autre pays. Mais quand il est revenu, elles étaient toujours là. Quand on aime, on attend, mes amis. Mais quand on n'aime pas avec le cœur, on dit, oh, quand on vous dit, c'est l'attentat tel qui vient, oh. Mais quand c'est quelqu'un que vous aimez, ah, c'est l'oncle tel qui vient, vous êtes là, ah, l'oncle va venir, vous êtes dans l'attente. Parce que qu'est-ce qui nous garde en éveil? Qu'est-ce qui nous garde avec les yeux ouverts, avec un cœur plein d'amour? C'est cette intimité que vous avez avec Jésus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les couples marchent après 40 ans, 50 ans de mariage? C'est quand il y a une communication, c'est quand il y a de l'amour, c'est quand tu as dit, oh j'ai des chéris, j'ai des produits avec toi, je te demande pardon. Quand il y a le pardon, et quand il y a cet amour, cette intimité, à un moment donné, le couple va dans la chambre et il s'aime. Parce que tout ce qu'on vit dans une journée avec notre épouse fait qu'on arrive à l'intimité le soir.
Mais si vous n'avez pas de communication avec votre mari, votre femme toute la journée, vous lui dites, t'es une bonne à rien, t'es un bon à rien, tu feras, finalement, je ne peux pas compter sur toi. Mes amis, vous aurez des tensions. Et vous ne vivrez que des moments d'intimité pas bons. Mais quand dans les couples, il y a cette communication, qu'il y a l'amour, qui est là, on respire l'amour, je dis pas que c'est toujours simple en vous disant ça. Dans un couple où il y a... Moi, avec ma femme, il y a des hauts et des bas. Je suis chrétien, mais j'ai des hauts, j'ai des bas. Des fois, je me dispute avec ma femme. Des fois, il y a six mais. Chérie, je t'aime. Et là, je suis ici, mes amis. Vous ne pouvez pas savoir comme ma femme. Mes enfants, mes petits-enfants me manquent. Mais je paye le prix. Je sais que je suis là pour Jésus. Pour remplir ce ministère auquel il m'a appelé. Et je veux vous le dire, comme je l'ai dit aux jeunes de Jeunesse en Mission, comme disait Paul au chapitre 20, je ne fais aucun cas de ma vie pourvu que j'accomplisse le ministère que Jésus m'a donné. Je ne veux faire aucun cas de ma vie parce que je sais qu'il est avec moi. Mais je veux continuer dans ce monde et pendant le temps où je suis ici, la semaine prochaine, j'aurai ces 5 campagnes d'évangélisation. Voyez-moi, je suis pas là à dire « Oh, ça va être super, je vais être un prédicateur hors norme. » Je tremble à la vue de ces temps où je vais devoir prendre la parole pendant ces 5 jours. Parce que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Par moi-même, je ne peux pas, même si apparemment ça ne se voit pas. Israël est l'horloge de Dieu dans l'histoire du monde. Israël est l'horloge de Dieu dans l'histoire du monde. Et quand vous regardez à Israël, vous pouvez prendre la température et vous pouvez voir que le Seigneur n'est pas loin. Et depuis la Shoah, c'est-à-dire au moment où les Juifs ont été martyrisés, ont été brûlés dans les fours pendant la dernière guerre. Ce qu'on a appelé la Shoah, il y a 5 millions de Juifs qui ont été brûlés, qui ont été torturés. Eh bien, on n'a jamais vu ce qu'ils sont. Depuis la Shoah, on n'avait pas revu ce qu'on voit maintenant. Ce qu'ont fait les Palestiniens lorsqu'ils sont introduits sur la terre d'Israël. Ils ont fait des choses abominables à des bébés, à des femmes qui étaient enceintes. Ils ont tué, ils ont massacré des gens comme au temps de la Shoah. Et nous sommes en train de voir des choses que depuis la Shoah, on n'avait pas vu. Ça me parle. Le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. C'est une poudrière là-bas. Et sachez que Dieu a un regard favorable sur son peuple. C'est un signe. Je termine avec le dernier. Il y en a beaucoup. Il est dit encore, quand vous lisez Matthieu 24 et le verset 12, il est dit ceci. Il est dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, verset 12. Et ce verset est en train de nous dire, parce que l'iniquité aura grandi dans le monde, eh bien l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et aujourd'hui, on voit que l'iniquité dans le monde est en train de grandir, le péché à une vitesse tellement forte qu'il y a une pression sur nous en tant que chrétiens. Et si nous n'avons pas cette intimité avec Jésus, comment nous allons tenir? Et Jésus dit, parce que l'iniquité avant ma venue aura grandi dans le monde, l'amour du plus grand nombre se refroidira. À qui Jésus est-il en train de parler? Aux gens du monde? Non, non. Il est en train de parler à son église d'alors, mais d'aujourd'hui aussi. Et aujourd'hui, à cause de cette pression du péché, l'amour des chrétiens se refroidit. Et les chrétiens se laissent aller et vivent dans le péché à cause de cette pression. Parce que on veut marcher avec Jésus, mais ce péché nous colle à la peau. On voit des publicités de femmes à moitié nues, en tenue délicate. Enfin, tout est permis aujourd'hui, du n'importe quoi, mes amis. Sur Internet, j'en passe. Il y a à boire, il y a à manger, il y a tout ce que vous voulez. Les jeunes vont voir de la pornographie. Des serviteurs de Dieu aussi, comme ils veulent. C'est même plus la peine d'aller à la télévision. Ou d'acheter une cassette porno, tout est sur Internet. Il y a le mal qui est là, il y a le péché qui est là, qui nous colle à la peau. Et si tu ne prends pas le temps avec Jésus, c'est le péché qui va rentrer et qui va te dominer. Oui, j'ai peur chaque fois que je prends le micro. Et je compte sur la grâce de Dieu
Parce que quand je prends le micro et que son onction vient sur moi, alors je peux annoncer sa parole. Parce qu'il vit en moi. Mais je dépends de sa force. Amen. Alors, nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Nous ne le connaissons pas. Mais nous savons que les signes sont là devant nos yeux. Je termine avec 2-3 signes. Jésus nous dit dans Matthieu 24, il nous dit quoi? Il nous dit, avant ma venue, il y aura des tremblements de terre, il y aura des épidémies, il y aura de faux prophètes qui viendront au nom. Un royaume s'élèvera contre un royaume. Tous ces signes-là, mes amis, sont là devant nos yeux. Regardez autour de vous. Regardez aussi un signe qui est là devant nos yeux actuellement, Israël. Vous voyez ce qui se passe en Israël? On n'a jamais vu ça. Depuis que Israël est devenu une nation, depuis le 14 mai 1948, Israël, ça c'est un signe extraordinaire, Israël était dispersé dans le monde entier, mais ce que Dieu avait dit à propos de son peuple s'est réalisé. Et finalement, depuis le 14 mai 1948, lorsque Israël a fait la guerre avec les Palestiniens et tous ces gens qui étaient là autour, l'Égypte et tout ça, ah, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le 14 mai 1948, Israël a repris les territoires, a repris le pays que Dieu leur avait donné. Et ça, c'est un miracle dans l'histoire du monde. Et finalement, ça fait combien de temps qu'Israël est devenu une nation? Un peu plus de 70 ans. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible à ce propos-là? Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible dit, Jésus dira, quand vous verrez le figuier refleurir, sachez que je suis à la porte. Et depuis le 14 mai 1948, le figuier que représente Israël a refleuri en tant que nation. Et Jésus a dit, quand vous verrez cela, sachez que je suis à la porte. Ça fait 70 ans. Et aujourd'hui, à nouveau, Israël est en guerre, mes amis. Israël s'est fait envahir. Et on entend des choses à propos du peuple de Dieu juif. Tout et n'importe quoi. On doit être pour le peuple juif, mes amis. Parce que c'est la prunelle des yeux du Seigneur. Et des chrétiens qui ne comprennent pas, qui ne savent pas ce qui se passe, ne connaissent pas l'histoire de la Bible, ne connaissent pas l'histoire du peuple de Dieu, disent « Ah, mais nous, tu sais, les Palestiniens, ils ont quand même raison. » Non, ils ont tort. Les terrains ne leur appartiennent pas. Je vous choque, mais c'est la vérité. Ça ne leur appartient pas. La nation, c'est un tout petit pays de rien du tout. Ces territoires ont été donnés par le Seigneur à son peuple hébreu. Bien sûr que ce qui se passe au niveau des dégâts collatéraux, c'est pas bien. Je ne suis pas en train de dire que lorsqu'ils sont bombardés, c'est bien. Mais il faut bien que Israël se défende. Seigneur, ce n'est pas les murs, c'est vous et moi. Vous êtes conscients de ça? Il dit, Seigneur, tout ça, les choses passera. Ce que nous avons fabriqué et construit, c'est nu. Ce n'est qu'un outil de travail. Mais ce qui est important, c'est ce que nous sommes, nous, en tant que membres du corps de Christ. Nous sommes une petite église, chacun pour notre part. Amen. Et ça a nourri mon cœur, ma vie. Et dans cette église toute petite, c'est là que j'ai pris des racines. Parce que j'ai reçu les enseignements qu'il fallait, mais aussi l'enseignement du retour de Jésus. Donc c'est tellement... Finalement, pour certains, vous ne viviez plus dans l'attente du retour de Jésus, vous n'y pensiez même plus. Pour d'autres, vous sentez qu'il n'y a plus d'huile dans votre cœur, vous vous êtes quelque peu asséché, et il n'y a plus d'amour pour Jésus, comme au temps où il vous a touché, au temps du premier amour. Pour d'autres, vous sentez justement que ce feu qu'il a allumé en vous a diminué depuis toutes ces années. Et finalement, vous vous contentiez de venir à l'église et de vivre sur les cultes, les réunions. Pour d'autres, vous n'avez même plus de communion avec Jésus à la maison. Vous ne lisez plus la Bible. Vous ne priez plus, vous n'avez plus d'intimité. Pour d'autres encore, vous avez laissé le péché vous envahir petit à petit. Vous êtes dans l'église, mais vous êtes conscient que vous vivez dans le péché. Mais Seigneur, ce matin, te reprend. Alors, si vous vous retrouvez dans tout ce que je viens d'évoquer, j'aimerais simplement que vous ayez du courage et ne pas regarder à votre voisin, à votre voisine,
Et simplement, là où vous êtes à votre place, s'il vous plaît, levez-vous. Et j'aimerais en conclusion prier depuis ici. Y en a-t-il ce matin qui sentent ce besoin de se remettre en question et de revenir au Seigneur Jésus, de vivre dans l'attente de son retour, de revenir au feu du premier amour, de se remettre en question parce que vous sentez que vous manquez d'huile. Vous sentez qu'il faut revenir à la source. Vous savez que Jésus revient bientôt et que ce message ce matin vous a interpellé d'une manière ou d'une autre. S'il vous plaît, si vous sentez cela, levez-vous, n'ayez pas honte de le faire. C'est pas pour moi que vous le faites, et c'est parce que ce matin, le Seigneur vous interpelle. Et si c'est le cas, si vous vous retrouvez dans tout ce que je viens de dire, s'il vous plaît, lève-toi. Je veux juste depuis ici prier pour toi, pour que tu retrouves ce feu du premier amour, cette joie que le Seigneur t'a donnée au début, pour marcher avec lui, pour parler de lui, pour vivre joyeusement dans cette attente qui est si proche, si proche. Y en a-t-il encore d'autres, s'il vous plaît? Oh, merci Jésus. Merci parce que tu es là ce matin. Et tu as, Seigneur, l'Église ici. Je bénis tes serviteurs. Y en a-t-il encore d'autres, pour la dernière fois, qui veulent se lever avant que je prie? Alors vous sentez le besoin de revenir à l'essentiel dans votre vie chrétienne et de vivre dans cette intimité, dans cette attente, comme les vierges sages, de retour de notre bien-aimé Sauveur Jésus. Y en a-t-il encore? Alors je prie simplement en conclusion. Seigneur, je t'apporte tous ces bien-aimés qui sont là devant moi, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes. D'un côté et de l'autre, je te les apporte. Et je te demande, Seigneur, ce matin, oh, qu'ils reviennent au feu du premier amour. Oh, Saint-Esprit, souffle sur les uns et sur les autres. Souffle à nouveau ce feu du premier amour. Je prie, Seigneur, ce matin, qu'une onction nouvelle leur soit donnée, qu'ils puissent être rafraîchis de cette huile fraîche. Recevez cela dans le nom de Jésus. Et je prie que tu leur donnes la force, comme les vierges sages, de vivre dans l'attente de ton retour, de parler, Seigneur, que tu es à la porte, d'être des chrétiens authentiques dans leur quartier et dans cette génération. Je prie que leur bouche ne se ferme pas et qu'ils disent et qu'ils prêchent que tu es à la porte. Je bénis chacun et chacune. Et pour ceux peut-être qui se sont levés, qui vivent dans le péché, je prie, Seigneur, qu'ils mettent leur vie en règle, non seulement dans ce moment, mais aussi lorsqu'ils rentreront à la maison, qu'ils puissent, Seigneur, se repentir et régler cela devant toi. Oh, dans le nom de Jésus, recevez un feu nouveau, une joie nouvelle de vivre dans cette attente de notre bien-aimé Sauveur, Jésus-Christ, qui est à la porte. Soyez bénis, renouvelés. Je prie aussi, Seigneur, que, Seigneur, ce message qui a été planté ce matin dans leur cœur ne disparaisse pas. Mais Seigneur, je prie que ce message, Seigneur, reste gravé dans leur cœur jusqu'à ce que tu reviennes au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes vraiment émus de vous voir au milieu de nous, mais non seulement de vos personnalités, mais aussi de la parole, des conseils que vous voulez nous donner, des conseils qui attirent véritablement notre attention sur le retour de Jésus. Puisque vous avez dit, vraiment un fondement biblique, c'est tellement vrai que nous n'avons pas de mots. Mais seulement, ce matin, nous savons que votre calendrier est vraiment chargé. Nous sommes en Afrique. En Afrique, lorsqu'on reçoit quelqu'un, nous sommes de retour, il faut qu'on lui laisse un souvenir. Et ce matin, en accord avec le conseil et toute l'Église, nous avons prévu. Vous allez organiser ça. Vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez l'ouvrir. J'ai le pasteur, deux pasteurs qui sont avec moi. Le pasteur Yeba. Voilà. Le pasteur Yeba. Et le pasteur
ça veut dire que tu n'as pas beaucoup apprécié. Donc voilà le pain qui a été slagé, qui a porté là, dans son pain. Voilà. C'est donc le temps, son volant, Dieu a voulu donner un nouveau taillon pour dans le moment en mesure de tout le monde. Après, ça va nous serrer. On pourrait le faire cette semaine. On pourrait faire cette semaine. Dans la semaine. Il n'y a pas de prendre des mesures. Oui. Sur mon corps. Oui. Le corps, ça a la même forme que le prophète et toi, la même forme. Voilà. Donc, on a pris la semaine sa mesure. D'accord. Bon, ça va, ça va. Voilà. Les femmes, ça va aller. Il dit les femmes parce que ça peut aller. Les femmes, ça peut aller. Et applaudissez si ça peut aller. Voilà. Bon, ça, vous allez partir. Il y a un couturier qui est là, qui a sa mesure à cette épreuve. Il n'est pas venu. Bon, ça va, c'est pas grave. Bon, il va venir à l'institut. On va le trouver à l'institut. Donc, vous gardez, voyez, donc vous gardez ça. Vous mettez le sachet. Voilà, on va tout bien, là, vous irez en France avec. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce cadeau. Je suis vraiment content d'avoir reçu cela. Et si tout va bien et si tu es prêt, peut-être que je vais être prêt à la campagne d'évangélisation. Ok? Comme ça, vous pouvez le voir. En tout cas, merci l'Église. Merci beaucoup. Et merci les anciens. Merci à ça aux gens.